Le projet de restauration, il est compliqué parce qu'on a été obligé d'accepter l'idée que les originaux ne reviendront plus jamais autour de cette coupole. Donc les originaux seront mis à l'abri, présentés aussi au public, et le tout sera remplacé par des copies en pierre faites par des vrais sculpteurs selon les procédés traditionnels. Donc on avait deux catégories d'éléments de statuaire, les génies qui sont des éléments de grande taille qui se voient de très loin puisqu'on est à 45 mètres de haut, et les anges qui sont des éléments un petit peu plus détaillés, ils se voient un peu plus, ils sont à 20 mètres de haut, ils sont plus finis, plus détaillés, et on a considéré qu'on pouvait tirer profit d'une technique différente. On a plusieurs techniques aujourd'hui et l'architecte a préféré choisir cette technique-là. Avec le moule en élastomère, on a une empreinte réelle vraiment de l'original. Et au niveau des drapés, il y a des parties qui sont vraiment très très fines. Là, au niveau sculpture, on est dans un truc qui est super compliqué, quoi, qui est très complexe, qui est très technique. Et c'est une technique que tout le monde n'a pas en fait. Donc là, on a terminé le moule en élastomère qui est fait sur l'original. Et on est en train de faire le tirage en plâtre, en fait, pour pouvoir du coup avoir une réplique en plâtre. Le fait de l'armer avec de la filasse, ce sera beaucoup plus solide que si on la faisait pleine. En plus, le plâtre, si on fait une statue comme ça, pleine, le plâtre, quand il tire, il chauffe, il gonfle. Et puis là, ça va nous faire un modèle qui va être déformé. Une fois que c'est sec, on redressera le moule directement sur une palette. On démoule, on enlève les coques, l'élastomère, et on a la copie de l'original. La prochaine étape, ça va être de retirer un petit peu les coutures, de combler les gros manques en fait en bulles qu'on va retrouver. Et après, c'est le sculpteur qui va venir faire la restitution en fait, qui va s'occuper de tout le reste, quoi. Nous, en gros, notre travail se termine là. Je rajoute un produit de restitution à base de plâtre et de chaux, pour redonner du volume au volume érodé et disparu. Alors, je charge un petit peu, puis ensuite, quand le produit aura durci, hein, d'ici une heure ou deux, eh bien, je vais venir gratter et sculpter le produit pour essayer de retrouver une forme. Le moulage reproduit fidèlement ce qu'est la statue originale, érodée et abîmée. Et c'est là-dessus que je vais faire une proposition de restitution de forme disparue. Alors là, c'est pas tout à fait sec, parce qu'on voit bien la couleur, qu'il y a encore de l'humidité dedans, mais la matière a prise, donc elle est devenue ferme, et on peut la travailler non plus comme une matière molle, mais comme une matière dure, ou en tout cas qui a une tenue, un peu comme de la pierre qui serait très tendre en fait. Dans ce genre de travail, de restitution, c'est de savoir où on s'arrête, parce que comme tout est abîmé, si on fait tout trop à neuf, on va voir qu'il y a une intervention neuve, et généralement c'est pas très beau, quoi, parce qu'on a une partie neuve et puis une partie usée. Cet aspect un petit peu usé, on verra que le temps est passé dessus quand même, si vous voulez, malgré la restauration.
deux chantiers, un chantier de moulage et de copie par moulage qui est dans la crypte, et un chantier qui se fait dans l'atelier qu'on a construit exprès pour la taille des génies. Donc rien que cette idée de faire de la copie par taille directe, de manière artisanale, ça nous a obligés aussi de créer un lieu où on puisse retailler ces sculptures. Donc le lieu, il est sur place, c'est un atelier qui est construit pour ça, et c'est là où on taille. De travailler sur la maquette, sur la reproduction de l'original. Je remets des masses dessus pour retrouver le volume de façon à resculpter cette statue dans un bloc de pierre. Donc là, le modèle a été refait avec une technique 3D. L'original a été scanné et ensuite c'est passé par l'ordinateur et par un robot qui a sculpté dans la mousse. Là, on en a quand même besoin puisqu'on fait une copie pour savoir où on va. Ça nous évite d'avoir à chercher, surtout de se poser la question quand on est dans la pierre. Là, le modèle est fait, on n'a plus à se poser la question. On installe la machine à mettre au point. On sait que là, elle vient ici, donc tout va bien, j'ai envie de dire. Voilà. Et puis ça permet aussi à l'architecte de voir le résultat presque fini avant d'attaquer dans la pierre. L'aile, oui, elle a été entièrement refaite, puisque comme vous le verrez sur le derrière, là-bas, elle a complètement disparu, elle était cassée ici. Donc là, j'ai collé un bloc de mousse juste derrière. J'ai dessiné la trace de la partie qui subsistait encore, et ensuite j'ai fait l'aile à l'intérieur en la creusant. Je l'ai creusé, enfin je l'ai découpé. Je l'ai creusé et ensuite j'ai fini les plumes avec du plâtre pour faire une reconstitution qui soit le plus proche possible de l'original. On s'inspire de celles qui sont encore en très bon état. Et puis bon, avec la connaissance de la sculpture que l'on a, on voit quand même certaines choses comme les rubans par exemple. Bon, il faut rester dans le style, c'est certain, mais on voit par exemple un ruban comme celui-ci. On voit comment il passe, enfin, on voit un petit peu, j'ai envie de dire, son architecture. Donc là, il suffit de faire les compléments dessus. Puis il y a aussi l'architecte qui est là pour nous dire si on fait bien ou pas quand même. Il doit venir aujourd'hui pour qu'on finisse de valider les sculptures qu'on a faites en pierre, là-bas, qu'on a terminées. Donc c'est peut-être que comme le visage, ça mériterait un petit coup de remouchage. Oui. Ouais. Un petit peu sur le nez, il y a une petite retouche à faire, dernière petite retouche. Toute petite, parce qu'à force de travailler, c'est comme ça fait des vallées, ça fait des creux. Dès qu'on touche, ça déséquilibre. Les yeux, ça, si vous pouvez arranger ça. Ok. L'arcade, on est là. Oui, pas oui, les, oui, on oui, même pas sans toucher. Non, mais c'est un peu trop. Trop exagéré. Oui, oui. Il faut que ça reste un peu plus anatomique, comme ça. Sur les ailes, la flamme, la rampe, un peu plus en pyramide. Le pied, la bouche. Et la bouche. D'accord. Voilà. Ok. C'est très bien. On peut redescendre un peu l'arcade. Oui. L'arcade est un peu haute. Il y a une question de proportion, oui. Parce que du coup, on a besoin qu'il a des tout petits yeux. Oui, on peut agrandir un peu. Il a une paupière supérieure qui est. Oui. L'arcade est un peu haute. L'arcade est un peu haute. L'arcade est haute et du coup, et puis du coup, elle est un peu, elle part un peu en s'émoussant. Enfin, est-ce qu'elle descend pas un peu trop latéralement? Là, c'est la validation du modèle. C'est-à-dire qu'on n'est pas malgré tout dans une copie avec un outil, dans une copie exacte au millimètre d'un existant. Mais on réinvente un petit peu quand même, on suppose les formes qu'il y avait alors qu'elles ont disparu. Donc c'est ça que je trouve intéressant dans la restitution. On ne sait pas comment ils l'ont fait, nous on a plutôt tranché de le faire comme ça. C'est-à-dire que sinon, on aurait pu imaginer que cette main elle est libre et qu'elle vient se poser comme ça. Mais ça faisait un bloc beaucoup plus grand. Et des difficultés beaucoup plus fragiles. Parce que les ailes, elles ne se touchent pas. Et le seul point de contact est ici. C'est celui-là. Donc ça permet de monter les blocs de manière indépendante. Quand on est satisfait du résultat, ou à peu près, eh bien à ce moment-là, on remoule l'ensemble. Et là, dans le moule, on va couler de la pierre reconstituée, qui est un genre de produit, si vous voulez, qui imite un peu la pierre. Et ce sont ces moulages en pierre reconstituée qui seront reposés en lieu et place des anciennes statues qui sont déposées maintenant depuis plusieurs décennies.
Le procédé il se justifie bien parce que c'était de la pierre. Vaut mieux mettre quelque chose qui ressemble à la pierre, qui vieillit comme de la pierre, qui va se griser avec le temps comme de la pierre. Il va peut-être même s'éroder, se casser un peu comme de la pierre. Parce que si on met un procédé de synthèse, un produit qui lui vieillira d'une manière très différente, on sera un peu en décalage. Prochain voyage, prochaine fois qu'elle vole, c'est sur le dôme. Ça c'est là où il y aura la tête. Je suppose les lits sont quand même. C'est le prochain bloc alors? Oui, bah, ouais, c'est celui-ci. Ouais. On voit bien que les sculpteurs, ils ont besoin de s'entraîner, ils ont besoin de faire du travail à cette échelle-là, de faire de la sculpture monumentale et de partir d'un bloc et tailler et sortir un personnage dedans. Se mettre dans la peau de quelqu'un qui a taillé ça au XVIIe siècle, assez magique. Sur le dôme, si vous le regardez, la sculpture manque et ça l'appauvrit et il y a quelque chose qui est réellement en moins. Ce n'est pas des éléments d'architecture figée, justement. C'est quelque chose qui, entre la sculpture et l'architecture, c'est très italien. C'est très, on est au 17e, mais c'est quand même quelque chose qu'on a pris de l'Italie. C'est ce qu'on voit beaucoup. Le ciel des monuments italiens est habité d'énormément de personnages, de mouvements. Et donc, c'est un peu ça qu'on a voulu.